Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Pour moi, ça va super. On se retrouve pour une vidéo tout simplement pack opening gratuit. Parce que regardez-moi ça, on a le coffre magique, le coffre géant et le petit coffre épique qui nous appelle. Donc là, clairement, hors de question de laisser passer. Vous connaissez mon amour pour les cartes épiques, les cartes les plus dures à EP, tout simplement. Alors là, clairement, j'ai des decks. Donc j'ai ce deck-là qui est full max, on en a parlé dans une vidéo. Mais j'ai surtout ce deck-là que j'aime beaucoup, sauf que... Bon, c'est déjà pas mal, hein. J'ai le Baby Drag et le Foudre niveau 7, mais ça manque un tout petit peu de peps, surtout le Baby Dragon sur les archers, faut qu'il les tape 3 fois, alors que s'il était niveau 8, il les taperait 2 fois, les barbares aussi, ce serait cool qu'ils prennent un niveau, donc on en a besoin, on veut du Baby Drag et du Foudre. Les amis, croisez les doigts bien sûr, n'oubliez pas de lâcher le fameux pouce bleu sous la vidéo. Faut qu'on explose tout et on va se paquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pack d'abord le coffre épique avant le magique et le géant? Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut se taper le petit coffre épique direct. Est-ce que vous êtes chaud, les petits potes? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On n'a pas le temps. On est parti. Donc, 3 sorts de poison. Le poison s'en fout. Le squelette géant aussi. Donc, il reste normalement 14 épiques. Il en reste 10, on va espérer Baby Drag et Foudre, s'il vous plaît. Surtout pas de rage. Surtout pas de merde, s'il vous plaît. Oh, putain, la chance! Mais c'est pas truqué. On est quand même assez chanceux, parce que mine de rien, 10 Foudres, c'est plutôt pas mal, parce que bon, on est encore loin, mais on a fait la moitié du taf, sachant que j'en demande tous les week-ends 4, ça monte quand même plutôt vite. Et je fais pas mal de super défis aussi, donc environ 7-8 victoires minimum, donc on assure quand même l'essentiel. C'est plutôt, plutôt mignon. Donc les potes, on va tout simplement s'ouvrir le coffre magique et le coffre géant. Alors on est parti sur le petit coffre géant. Un ballon, ça fait plaise. De la mousquetaire, pas mal, pas mal. Elle est pas max, celle-là, donc c'est cool. Les flèches, c'est max, ça fait de l'or. Et de la cabane de barbare qui est pas max. Putain, on est pas mal. On est plutôt heureux sur le choix des cartes, parce que des fois, ils vous filent que des cartes max. C'est un petit peu dommage, d'ailleurs. Et est-ce que ça va être un opening légendaire ou pas? On va le savoir de suite, les amis. Alors, 1200 pièces d'or, ok. Les bon, il faut qu'on ait masse quantité de communes et rares. C'est mal barré, c'est vraiment mal barré. Alors, il nous reste des rares et des communes. Je pense que c'est... Si on n'a pas toutes les rares ou toutes les communes d'un coup, là, c'est mort. Et je crois que c'est mort. Ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Parce que du coup, il nous reste rares et épiques, si je dis pas de bêtises. Voilà, les rares et les épiques, Foudre ou Baby Drag et du baril. Alors, c'est pas mal. Le baril, par contre, c'est cool. Il y a pas mal de decks où il peut rentrer dedans et ça peut être intéressant. Malheureusement, pour moi, il est vraiment intéressant au niveau max. Parce que vous savez que les gobelins ne se font pas zapper au niveau max. Enfin, en tout cas, à mon niveau, il n'y a que du zap de niveau max. Donc, il me faut un baril de niveau 8 pour faire vraiment mal. Alors, les potes, on peut se tenter ce deck-là. On peut se tenter ce deck-là. On va se faire un petit 2 contre 2. On va tester en aléatoire. Hein. On joue en aléatoire, au moins comme ça. Ça ouvre la porte à pas mal de monde. J'ai des fois des potes, enfin des potes, des abonnés avec qui je tombe, qui mettent des petits screens sur Twitter ou Facebook. Je trouve ça assez sympa. Alors... On a posé un extracteur, même si je sais qu'en 2 contre 2, l'extracteur, il reste jamais très longtemps en vie. Voilà, ce que j'ai dit, c'était, j'étais un petit peu voyant. Mais du coup, on fait un bénéf de 1 point d'élixir, donc c'est pas dégueu. Alors, ça joue. Ah, c'est pas hyper bien joué, là, par contre. Il crame son Baby Drag pour pas grand-chose. Alors, nous, on va essayer de cycler jusqu'à avoir le golem. Hein. C'est à peu près le seul objectif. Là, on cycle. Ok, BDF. Donc, ils ont Foudre et BDF. C'est important pour moi de savoir un petit peu les cartes qu'ils ont. Ils ont Foudre, BDF, Bûche. Alors, là, on peut tenter le double Baby Drag, Géant Royal, sachant que j'ai un Foudre dans la main. Ah, ouais, ouais. Non, on va même pas cramer le Foudre, parce que cramer le Foudre sur des barbares, ce serait juste bidon. Alors, on va défendre le cochon avec le mini PK. Ça, c'est plutôt sympa. On va retenter de mettre un extracteur dans l'angle à droite. Voilà, on met des petits dégâts sur la droite, ce qui est plutôt pas mal, ça paraît pas, mais quand même, on a mis, ouais, on a mis quoi? On a mis 8-900 dégâts. Ça me va, c'est correct. Il a très mal placé sa fournaise, du coup, elle dévie pas le cochon. Alors là, pour le coup, c'est vraiment mal joué. Comment se prendre des dégâts pour rien? Franchement, ça, c'est de la merde. Là, bye, tu as mal joué, mec. Alors, comment on va s'y prendre? Je pense qu'on va tenter un assaut golem direct. Sur la droite, parce que la tour de gauche, la nôtre en tout cas, elle est morte. Donc autant protéger la tour de droite. Voilà, golem 8 posé.
Alors, golem mid posé, là la tour de gauche, je vais même pas la défendre, elle est morte, donc autant lui laisser, voilà. J'aimerais bien par contre qu'il arrête, voilà, qu'il continue à jouer notre collègue, ce serait toujours plus sympa. Alors il va sûrement poser des barbares, oh là là, il joue sur les deux fronts, je pense que c'est mal joué. Je pense que c'est mal joué parce que c'est la meilleure façon de faire faire deux attaques à moitié réussies, quoi. Je préfère qu'on prenne une tour et qu'on la torde. Alors là à droite par contre ça va passer. Ça va passer, je vais mettre des flèches histoire de, mais il n'y en avait même pas besoin. Voilà, on est pas mal. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'appuyer plus? Je pense pas. Par contre, on peut renvoyer un baby, un golem sur la droite pour protéger la tour et essayer d'aller chercher la tour du roi. Waouh, putain. Alors là, ça sent pas bon. Alors, le mini PK, il a quand même fait le taf. Ok. Là, maintenant, il faut mettre tout ce qu'on peut derrière le golem. Allez, les potes, c'est pas le moment de flancher, il faut envoyer la sauce. Alors il va me mettre bien sûr les barbares, c'est là que c'est important. Oh non mais mec, putain mais qu'il est bête. Il y avait moyen de mettre un deuxième baby drag et d'appuyer là où ça fait mal sur les barbares. Et le mec il me pose son géant royal tout pourri. Qu'il est bête, putain, c'est mal joué. Oh c'est mal joué, là maintenant on a plus que... Ouais, on a plus grand chose à faire là. On en a plus besoin, enfin faut défendre comme des... Comme des morts de faim, là on va mettre des dégâts pourris. Aïe 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 aïe, compliqué, c'est mal joué. Je pense qu'il fallait appuyer le golem de... Ah là là, le géant royal, on s'en foutait à ce moment-là, là c'est dommage. Vraiment dommage. Alors, est-ce qu'il va nous prendre la tour? Je pense que oui. Et c'est bien joué pour eux, parce que de toute façon ils ont BDF et tout. Donc c'est bien joué, on fait une mauvaise défaite. Eh ben mon collègue a mal joué, c'est de sa faute. Non je rigole, je suis aussi fautif, mais ça fait un petit peu rager quand même de perdre... En 2 contre 2, surtout qu'avec du golem 8, il y avait moyen de faire des beaux petits combos. C'est la déception, les amis. En tout cas, on va pas faire une vidéo plus longue. C'était cool, on a fait un petit pack opening sympa. Et on a récupéré du foudre. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oubliez pas les pouces bleus. Et dites-moi en commentaire si vous voulez le retour des lives sur la chaîne. C'est la question que je vous pose aujourd'hui, les amis. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.